Et on a dit tout le monde gros bonjour. J'espère que nous avons passé un bon week-end, un long week-end. Et en compagnie de la Voix de l'Amérique, nous avons un long week-end nous-mêmes. C'est un long week-end pour nous. Donc, mais nous tournons jeudi à mardi, 30 mai à aller. Mon qui a fait des fêtes des mères, m'a dit nous bonne fête des mères, on tout dit nous ça aujourd'hui à là. Il pas un trop tabou deal et suivi qu'au deal simplement. Et nous t'ai un long week-end aux États-Unis, c'était jour du souvenir. Donc c'est jour que américains et rappeler ou bien songer et soldats américains qui étaient morts en bataille pour défendre pays, pour défendre les États-Unis. Et donc c'était juste ça, donc c'était fait, c'était santé et tout, célébration tout côté. Américains voyagé, venir rencontrer Azamio, réunir Azamio. Et c'est un bon moment. Le président Joe Biden, beaucoup de parle de même tout, et déposé un jet de fleurs sous Tom Mao inconnu, soldat inconnu. Et donc pratiquement tout le monde retourne à la caille, dans la base. Tout le monde retourne dans la base. Et tout le monde tourne travail je dis à là. Alors et sur tout était aux États-Unis je dis à tout là un gros test pour le Congrès américain après menace à peser là pour que l'administration arrive dans position pour ne pas payer dette li non seulement pas payer dette mais tout pas capable et payer fonctionnement gouvernement. Donc ça veut dire que le gouvernement fermé, si que le Congrès n'a pas voté pour autoriser l'augmentation et plafond de dette là. Donc pendant fin week-end, le président Joe Biden avec le président chambre député Kevin McCarthy n'était finalement pas une entente en principe pour qu'il augmente la dette là. Maintenant, la concession faite les deux côtés. Et le président Joe Biden fait concession, donc les réductions c'est de. Et sous demande républicaine, il fait des réductions dans ces deux côtés de dépenses. Il a augmenté par exemple dans l'âge pour le monde qui a cherché assistance en tant que croissance et alimentaire et pour continuer à faire le travail. Donc il a augmenté l'âge, ça bon pour les républicains, mais bon, l'autre souci que le président Joe Biden n'a pas gagné là, parce qu'au moins il est d'accord pour financer. Fonctionnement gouvernement jusqu'en 2025, donc jusqu'après et déroulement élection présidentielle 2024. Donc ça veut dire que l'administration, ça va président Joe Biden, ils vont peut-être charger, ils vont peut-être faire mal, ils ne peuvent pas gagner là, jusqu'à 2025. Donc s'il est élu, s'il est élu encore, donc c'est certainement le président qui là-dedans, mais ce n'est pas mon problème. Mais s'il n'est pas élu, c'est le nouveau président qui pour faire face avec ça. Donc au moins que les deux parties rejoignent, mais le groupe républicain qui n'est pas fin d'accord, il dit que d'être ça son vie en tant que ça n'a pas été son rien, c'est pas ça États-Unis mérité, mais États-Unis mérité plus que ça, et que il a demandé tout notre collègue ne peut pas voter en faveur de ça. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, il n'y a pas clair, mais je dis à quelqu'un pour tester après-midi, parce qu'il y a un comité qui est censé établir règlement rôle, règlement pour mon règlement qui de suivre, marche à suivre pour que le débat soit fait là. Et si tout démocrate a voté contre lui, et que comme c'est toujours parti là, que c'est selon tendance là, donc si tout républicain vote en faveur, donc il y a ce problème. Mais bon, le groupe républicain qui m'a dit que je dis que ça n'a pas intéressé eux parce que c'est pas ça qu'ils ont demandé, les États-Unis n'ont pas besoin, pas refléter ça, les États-Unis besoin, donc ils ont demandé pour tous les collègues de voter contre lui. Ça veut dire que nous sommes là, si chambre députée n'a pas voté, donc ça veut dire que ça parle pour son problème, même s'il allait dans le Sénat. Donc, nouveau cadien est toujours. Mais en tout cas, l'idée que tu as parlé, c'est le 1er juin, que tu as des délais pour que les États-Unis arrivent dans la position de côté de Papa Pays d'être là. L'idée, ça, ils font un petit prolonger parce que le ministre Zora et Janet Yellen, lui-même, il fait qu'on est que, dans chercher, il y a un petit cop qui est quelque autre côté, qui est rassemblé, qui est capable de mener les États-Unis jusqu'au 5 juin.
Donc ça veut dire que le parti conseil est sur 5 juin pour voter devant le président Biden. Une fois que le Sénat a voté, la Chambre des députés a voté en faveur, eh bien bon, il peut être devant le président Biden qui était certainement abstinent. Et là, ça menace ça, pas pose encore jusqu'en 2025 parce qu'il a gassé l'argent qui pour permettre que les États-Unis continuent à payer d'être là. Et puis non seulement continuent à payer d'être là, mais tout et fonctionnement du gouvernement jusqu'en 2025, donc après les élections. Et puis, Moscou a annoncé que un drone, un avion, alors un appareil téléguidé qui attaqué dans Moscou, qui l'a attaqué. C'est pour une fois depuis la guerre Ukraine avec la Russie, pour une fois, et une attaque faite même sur le territoire et la Russie même. Donc il était suspect que l'attaque ça, il a semblé que c'est l'Ukraine qui était responsable attaque avec avion téléguidé ça. Ou bien appareil téléguidé ça. Donc c'est ça pratiquement sur le plan international. Et puis il y a un dossier immigration toujours là. Les Américains ont ouvert Géo là pour garder sa capacité sur la frontière toujours. Mais on n'a pas bougé. C'est-à-dire que le monde continue à venir avec rendez-vous, venir prendre rendez-vous. Et il y a d'autres monde qui faut filer quoi en bas fil. Mais il faut qu'on ait des monde qui crie pas sans bas fil. Il n'y a pas loin parce qu'il n'y a pas de cap qui a réglé pour eux aussi, il n'y a pas de cap, pas passer par voie légale, etc. Mais les gens qui ne sont pas repliés, contrairement avec peut-être l'espoir que l'administration a gagné, que les gens ont fait barrière, ils ont sorti d'un côté, ils ont sorti, mais les gens ont dit que c'était là la priorité. Si on n'a pas avancé, après ont prêté. Donc ça vient poser un série de situation pour l'autorité mexicaine, parce que nous sommes sur le territoire, donc il faut le dégager, bah, nous manger, bah, nous minimum et sécurité, etc. Eh et bien, on va dans le pays d'Haïti, et bien, il y a des blousards pété, là, dans le gang, ça vient, la population qui est et fait une sorte d'association, et bien, on marche sur le gang, là, et bien, il y a rapporté qu'il y a environ 10 personnes qui mourent. Et puis l'idée là, qu'on va sur tapis là, sur type 11 privé 13, pour gagner une conférence et sur situation Haïti, son rencontre, c'est son forum ou une conférence, mais quand même son sorte de négociation. Communauté internationale, particulièrement communauté caribéenne, ils ont fait dirigeants haïtiens, les leaders politiques haïtiens, société civile là, ils ont fait venir Jamaïque plutôt pour venir chita négocier sur une solution ou une solution sur crise là. Et invitation à aller, moun ki pou jwenn rezolisyon, invitation yo jwenn, semble que le gouvernement présent, et c'est sur initiative Bahamas, et mais c'est en Jamaïque que la fête. Donc, en fait, il a désigné trois anciens ministres, anciens premiers ministres et caribéens qui pour servir comme modérateur ou comme facilitateur pour mettre action ensemble. En tout cas, entre les dirigeants haïtiens, les leaders politiques, toujours un petit bouche l'ouvrir quand même, il y a qui dit bon, qui est-ce mon cap là, qui est-ce mon qui pas là, ma place c'est un tel par là, ma pas place c'est un tel par là, c'est un tel là. Donc, mes négociations, en fait, réunion fixée. 11, 12, 13, 3 jours. Et il y a qui est préparé déjà, nettoyé sous l'eau, j'ai mal à tout, il y a valise qui est fait déjà pour y aller participer dans la rencontre. Et il y a des gens qui critiquent tout et disent voilà, qu'il y a des acheter ensemble local, et puis voilà les blancs, les étrangers à inviter eux, tout n'est pas prêt pour le parler, et il y a des gens qui ne pas le faire, si pas ne pas le porter, si ça ne pas le dire, pas d'accord, etc. Donc voilà qui est la situation. Donc, nous attendons pour nous qui ça va le passer. Et entre temps, le pays a marché. Il a fonctionné, tout le bas a marché. Pas que j'en crie tout le monde, il y a des gens qui critiquent en rencontre là, ils disent bon, c'est une sorte de licence pour le bail premier ministre Ariel Henry, mais. Il y a marché, les élections, il continue à parler d'élections, il continue à parler de formation au conseil électoral provisoire, et il dit l'argent, fonds fiduciaires qui était là pour faire l'argent là toujours, l'argent là matériel qui était acheté pour l'élection passée, pour référendum, que l'ancien président, ou bien défunt président Jovenel Moïse a parlé à Baïsaro là toujours, il y a un corps qui est là toujours, excepté que compléter pour compléter ça qui manquait. Et puis, qui ça qui vient encore, nous avons un dossier et pays d'Haïti, une République dominicaine, qui en fait une entité République dominicaine qui encourage le président et Luis Abinader pour continuer à faire des efforts pour essayer de capable une solution dans la crise pays d'Haïti.
Et puis si nous font parler de bon nouveau commissaire gouvernement dans Port-au-Prince, donc c'est tribunal première instance Port-au-Prince là, non lycée Edler Guillaume, c'est un ancien commissaire gouvernement plateau central, que depuis vendredi, le gouvernement était nommé pour le remplacer et ancien commissaire gouvernement, ancien commissaire gouvernement. Eh bien, monsieur Guetta prêté serment, donc je dis à monsieur Dade comme ce travail, il y a une promesse que monsieur fait, en fait, depuis hier, pratiquement, l'installation est faite, et monsieur promet pour lui suspendre l'affaire cambriolage qu'a fait dans le parquet, affaire à venir voler les documents, venir voler les pièces à conviction, monsieur dit qu'il faut que baille ça vient. Donc monsieur remplacé Maître Lafontaine, et puis, donc, nouveau CGA est là, et puis, je dis à monsieur qu'il faut parler, nous. On va parler de sport, non, mes amis. Et puis, avant d'aller, on a dit que le pasteur et Cadix Floridor, qui est actuellement à CTA, au conseil de transition, et bien, monsieur, j'ai un autre mandat dans la tête de la Fédération de l'Église protestante. C'est donc une polémique. Des grands pile de jours qui fait, un pile de laisser frapper verbal qui était fait, un pile de critiques faites, un pile d'accusations. Bon, finalement, les électeurs, ils ont un autre mandat. Et pas t'es gain trois candidats dans course là. Bon, et pasteur Floridor, j'ai un autre mandat encore dans la Fédération des protestants. Il n'y a pas eu de conflit parce que monsieur, on est dans le gouvernement, on a fait assister, et bien en même temps, on va. Donc, monsieur, promet que pas de conflit d'intérêt, qu'il y a fait tout ça, que le capable pour permettre que, et, à faire l'église protestante, à faire régler, puis il y a enquête tout. Enquête sur affaire ZAM. Et bah il était jeune en conteneur l'église épiscopale en bien que ça là pas possible plus non absouti yo joine que gère des monde qui vient t'a sauvé que nous était sous liste et gagnon ancien yon responsable dans ministère des finances qui s'est responsable à faire et franchise et bien monsieur gère jeté il était jeune monsieur était en position côté dans la zone car ancien député d'après Nouvelle-Yo. Ensuite, le jeune monsieur était car ancien ministre actuel, qui est actuel ministre. Et bien, finalement, le jeune monsieur qui a quitté le pays, monsieur qui est de l'autre côté, il a tracé le carte de crédit qu'il utilisait. Bah, donc, dans son dossier qu'il a, actuellement, il y a une demande même. Et il met l'action publique en mouvement, il y a un mandat d'amener. Qui a raconté le jeune monsieur, un certain docteur, tout, il a cherché tout. Donc, dossier a avancé et le commissaire qui, en fait, juge instructeur, qui se dossier à lui-même, du coup, c'est à faire interrogation, interroger le monde. Mais il n'est pas fini de parce qu'il a dit qu'il y a des gens qui sont déplacés, soit à faire dossier là, un Zimbabwe qui est censé être. Qui était contre travail dans la conférence, l'église épiscopale là, et bien, monsieur, t'es sorti en science dernièrement, t'es bas la presse, on média, on interview, pour t'expliquer qui monde, il était bas des noms même, monde qui fait, qui, monde qui mêlé dans fait, et conteneur pour mettre des armes là-dedans, pour venir faire qui ça, personne ne prend pas quoi. On a sport, et puis, il y a Ketia Louis, mes amis. Ketia Louis tape joué dans le stade de Reims, c'est le jeu dernier match, li, et puis il dit bye bye. Il a quitté le club partir après 2 ans de service et qu'on y a certainement il va chercher un autre club, un autre club qui est capable a besoin de service. Et puis il y a 35 Grenadiers, nous vont entrer dans la sélection nationale là, on a parlé de Espagnol, comment monsieur il est encore Espagnol et Calderon. Calderon Pellegrini convoqué et nous connaissons Will Donald Guerrier déjà Miami. Donc quand la sélection a réuni, moi c'est là que il a réuni la fait basio pour commencer à entraîner avant de commencer à participer pour la 9e fois, c'est 9e édition, 9e fois hein, pour 9e fois pour participer dans la Coupe de CONCACAF. Donc c'est une 9e participation à Haïti dans Coupe de CONCACAF. Donc Haïti dans le même groupe avec Mexique et Qatar qui sont invités spéciaux et puis gagner tout Honduras. Donc bah, et donc c'est l'équipe l'a préparé mais 35 joueurs gagné du Val Bacane gagné à tout bah par exemple Fokuyo était entre 18 à 22 joueurs qui pour faire partie et sélection finale et ça c'est pour Grenadier. Pour mesdames eux-mêmes mesdames qui a participé en Coupe du monde football féminin en Australie avec Australie avec Nouvelle-Zélande et ben eux-mêmes tout
pour réunir tout parce que le championnat est pratiquement fini. Et donc, pour réunir tout, même pour commencer la préparation et tout, pour la Coupe du Monde, ça, que en plus, on met en plus l'espoir, j'espère que Grenadier, après, va faire une belle figure, parce qu'il y a un joueur, il y a Melchi Dumoné, et il y a Neilia Mondésir, en fait, il y a un paquet d'un peu, il y a une nouvelle révélation, tout, et qui a recruté dans le championnat européen, et tout comme tout aux États-Unis, et qui va participer, tout, et qui va représenter Haïti dans la compétition. Ça c'est pour ça. Et puis préparatif à continuer. Donc c'est rendez-vous qu'on y a là, c'est juste qui est joueur capable de faire partie liste définitive là. Et puis dans NBA, les amis, c'est avec surprise. Boston perdu devant face à Basilette. Il était Kimbé, l'autre jour, il était remporté en victoire de justesse devant Miami pour mettre série à 3-3. Eh bien, hier soir, ça va marcher pour eux. L'équipe Miami a dansé sur l'équipe Boston là, pour l'occasion du 7e match. Ça va être le match d'appui ou le match décisif là. Eh bien, Miami, il a remporté confiance de l'Est là et il va rencontrer avec le champion confiance de l'Ouest là pour déterminer champion national NBA. Donc, mon crois que je vais rencontrer avec Denver Nuggets, qui c'est prochain adversaire. Donc, après ces séries, 7 matchs, et puis qui emporte, la série a commencé le 1er juin. Et puis, l'équipe qui a emporté 4 matchs, et puis c'est lui-même qui a consacré comme nouveau champion NBA pour saison ça. Donc, pratiquement, qui a calé, jeudi, nous avons été un long week-end. Un long week-end. Bon, gain week-end, bon, nous étions occupés, nous pas allés trop loin, parce que, mais bon, et Valéo pas là, je dis à Valéo, j'en sais, à continuer week-end dans lui-même, ça va être un bon manche long. Donc, Valéo pas là, je dis à Rodriguez, et pas là tout, Rodriguez dans funéraille, et proche qui, moi aussi, je dis à funéraire à la fête. Et donc, pratiquement, Jacqueline n'a qu'à là. Et qui est encore qui n'a qu'à là? Gentil à Kaili, tout gentil à travailler à Kaili. Donc, c'est moi Jacqueline seulement qui n'a qu'à là. Donc, c'est une bonne occasion pour nous deviner en chaud, nous faire manger, nous manger, nous ne pas personne. Et donc, gentil à chef service à Nakala, tout, Sandra. Et puis, émission normale, nous avons un bon show, nous avons un bon show avec. Et avec quelques correspondants qui ont une nouvelle banque, que ce soit c'est en Haïti ou bien encore et dans l'autre pays, et à vous bonne ça rien. Donc nous Jacqueline là pour présenter une choix moi-même m'appelle pas une surtout de et vote qui vient pour faire dans le congrès un peu clair jusqu'à présent et vote qui vient pour faire dans le congrès parce que et sous augmentation plafond dette États-Unis donc ça de fait jeudi là. Et alors, je dis à deux, pour ce genre de commencer, mais vote là, c'est va demain, il va faire dans la chambre des députés. Et puis, c'est vacances, nous avons un bon petit monde. Je viens de la ville. Ouais. Un bon petit monde. Je viens de la ville, je souhaite visiter, et donc, qu'on est après tout à la caillou. L'école peut fermer aux États-Unis, l'école a fermé la semaine prochaine, non? Donc, profitez en vacances. Ouais. Donc, on a fait tout le monde de passer une très bonne semaine avec, en compagnie de la Voix de l'Amérique. Restez branchés, gardez-nous sur toutes les plateformes. Sous votre question, gardez Meet Up pour Valério. Ce sont des émissions qui sont les nouveaux. C'est Valério qui lui-même les ont invités. C'était vendredi. Et sur la plateforme, non? Eh bien, on t'a encouragé pour aller garder encore. Et puis, si tu as raté l'émission spéciale, nous avons lundi, sur Mémorial DA ou bien encore sur jour du souvenir, on t'a invité encore à visiter les plateformes encore pour voir ce qui s'est passé. Salut tout le monde. Bonne semaine avec la Voix de l'Amérique. Jeudi, c'est 30 mai.